Et bonjour à tous, on se retrouve pour la 9ème partie du Let's Play de Rogue Dead. Et on s'était arrêté juste avant de combattre Cerber, en fait, le boss du niveau. Puisque j'avais bugué, puis ça s'est arrêté brusquement. Enfin bon, je vous ai spoilé un peu en disant que c'est Cerber, parce que là je suis pas en direct, je commente en offline en fait. Parce que j'ai eu de nombreux bugs avec mon micro, donc voilà. Donc voilà, on va se diriger vers le boss. C'était quoi ce grognement? On va bientôt le savoir. Le véritable ennemi approche. C'est qui tout double maintenant? Donc on casse 2-3 combos de blocs là, oui, pour avoir des permis. Enfin oui, il me semble bien que ça s'appelle des permis, je sais plus pour finir. C'est bien inutile pour le combat. D'ailleurs je crois que je vais en utiliser pas mal. Surtout les puissances P ou défense P comme ça, ouais. Incroyable! C'est Cerber, le gardien des enfers! Mais il y a quelque chose qui cloche. Le célèbre Cerber, hein? Quel endroit sinistre! J'avais jamais senti une atmosphère si pesante. C'est sûrement ce monstre qui provoque tous ces bugs. Attention, il s'énerve! Ensemble, on est sacrément costaud, mais... comment faire pour abattre un monstre gigantesque? Pas de panique! J'ai affronté des ennemis plus gros. Et j'ai gagné, évidemment. Sora, tu voulais connaître ce secret des héros? Eh bien, c'est d'avoir confiance dans la force de ses alliés, quel que soit l'adversaire. Tout à fait, Hercule. Comme t'as raison. Donc on va commencer ce combat contre Cerber avec nos trois protagonistes. Donc là, on utilise des permis, charge P, défense P comme j'ai dit avant, puissance P. Monter la puissance, la défense et récupérer pour récupérer un peu des PV au fur et à mesure. Autogarde, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'avais abusé des puissances P et défense P. Hein. Allez. Petite combinaison d'attaque. Enfin, petite, qui va faire bien mal. Ah non. Oui, c'est vrai, je pouvais toujours pas faire. Donc là, un petit combat de Cloud. Ah, ce serveur. Allez, maintenant, je vais faire un petit combo. Oh, ça fait bien mal, hein. Ça lui a envoyé un petit peu de vie, là. Bon, les éclairs, ça lui fait presque rien. Ouais, presque. Voilà, un Omnis Clash, ça, c'est super, ça, c'est... c'est ce que j'attendais. C'est un super combo qui fait pas mal de dégâts. Même si c'est pas le plus puissant, hein. Enfin, dans ce jeu. Ouais, les enchaînements là, c'est moyen. Faudrait que je m'applique la prochaine fois. Enfin, il y aura pas de prochaine fois, c'est le dernier. Mais je veux dire... encore un Omnislash, chanceux quand même. Hein. Peut-être encore un Omnislash, je sais plus. Ah non. Bon, on sait jamais, hein. Deux Omnislash de suite quand même. Enfin, pas de suite, mais presque. Là, il commence à... sa vie commence à descendre considérablement. Un grand Omnislash. Alors, troisième Omnislash. En un combat. Triple pro. C'est pratique pour récupérer des PV, quoi. Là, je sais pas, je crois que j'ai paniqué vers la fin. Ah, c'est bon. Un coup de Cloud pour finir, ça c'est parfait. On a réussi! Le Crazy devrait reprendre sa forme normale. Il y aura enfin un passage pour rentrer chez moi? Il faut aller raconter tout ça à Phil. Vous vous croyez dans un film? Il n'y a pas de happy end ici. Hadès! Juste quand les choses devenaient intéressantes, il a fallu que vous veniez tout gâcher. J'espérais que vous allez tous mourir bien tranquillement. Mais non!
Comme d'habitude, je vais devoir prendre les choses en main. Dis, Hercule, je crois que j'ai trouvé le secret de la force des héros. Ah ouais? Et c'est quoi? Eh bien, peu importe à quel point la situation est catastrophique, en fin de compte, on gagne toujours. Mouais! Qu'est-ce que tu dis, héros de la Keyblade? Bon. Alors c'est parti. C'était pas le boss final de ce niveau pour finir, Cerber, ce sera Hadès. Mais je crois qu'il est beaucoup plus facile. Donc un camp à défense P pour la défense, un puissance P j'imagine. J'imagine que c'est tout, non? Ouais bon, là j'ai abusé. Je crois que ça change presque un peu rien si on fait 2 puissance P ou 2 puissance de défense P de suite. Je crois que ça change un peu rien. Enfin, dans un combat. Ouais, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ah, c'est bon, allez. Ça commence bien. Un critique, c'est bien. Faudrait faire un omni slash encore. Ouh. Alors ça, c'est une attaque très dangereuse, franchement. Oh, pas mal. Omni slash, voilà, super. J'étais vraiment chanceux sur ce coup-là. Chaque fois, j'ai des omni slash, des coups critiques, ou je sais pas. Ah ouais, je crois qu'il va faire souvent cette attaque. C'est pratique parce que... Enfin, pratique. Voilà. Quand il fait cette attaque, il nous attaque pas. Donc logiquement, ça nous laisse un petit peu de marge pour attaquer. Et pas être touché, en fait. Puis c'est assez facile à tuer ses ombres, justement. En un coup, vous voyez, en un coup, on peut les battre. Il y a une moustache ou pas? Non. Mais il critique, quand même. Hercule, il va bientôt mourir. Enfin, on verra. Omni slash peut-être. Omni slash. Oh, mais franchement, chance. Non, je pense pas que ce soit le coup final, non? Bah, dans pas longtemps, je pense. Oh, allez. Oh, critique. Ah non. Encore un omni slash, j'imagine. Bah ouais, oh purée. Je crois que c'est même le troisième, je sais pas. Mais j'ai vraiment de la chance. D'habitude, j'arrive jamais à les sortir, puis là, je les ai sortis en un coup, comme ça. C'est censé être une attaque critique qu'on peut pas sortir souvent. Et moi, je la sors, tranquille, comme ça. Allez, Omni Slash. Non, quand même pas. Mur de feu. Bon, bah, Hercule, il est mort. Ah, juste pas mort. Ah, si. Allez, Sora, il l'a fini. C'est bien. We win. Hey, nouvelle Keyblade. C'est cool ça. Dédale 6 casse débrouillée. Une version plus longue du Colisée est disponible en mode replay. Bon, j'ai pas le temps de lire la suite. Ne croyez pas avoir gagné. J'ai encore 500 millions de vies. La plupart d'entre elles sont celles que j'ai prises. Mais je reviendrai. Ça devrait enfin se calmer maintenant. Phil doit être inquiet. Allons vite le rejoindre.
tout à fait. Parera, vous êtes revenu en un seul morceau. Tu manques vraiment de confiance, Phil. Je ne serais pas ici sans toi, Sora, merci. Mais où est Cloud? Si tu parles du punk avec sa grosse épée, il est parti. Il voulait rejoindre son monde ou un truc comme ça. C'est vrai? Il aurait quand même pu dire au revoir. Ah oui, j'oubliais, il a laissé un message pour vous. Il a dit mes amitiés au héros et à l'apprenti héros. Comment ça, apprenti héros? Eh oui, tu fais toujours partie des juniors, gamin. C'est pas juste. Je suis sûr que tu deviendras un grand héros un jour, Sora. Dis, tu viendras m'aider pour protéger le Colisée? C'est tentant, mais j'ai déjà une mission à accomplir pour des amis. Mais si vous avez besoin d'aide, je viendrai volontiers. D'accord, passe le bonjour à tes amis. T'as un potentiel, gamin, ne le perds pas. Et passe me voir si tu veux t'entraîner. Entendu, fille, à plus tard. Mickey, did that do it? Yup, Sora, thank you. Hey, wait, this time, we did it to the video. Right. Those scenes, they originated inside my mind. Huh? When you got rid of the bugs, you gave me deeper access to the memories associated with those worlds. The things I saw must have found their way back through the link and shown up on your monitor. Well, what do you know? If those memories came from deep within the journal itself, then it's really no wonder they're unfamiliar. They don't belong to any of us. Hmm? Something's happening. Huh? No way! Who are you? Playing dumb, eh? Pete's here? How'd you get in? Same way as yous did. Thought I'd take a little vacay from the outside world. Well, this here world belongs to me, see? So mitts off! He must be up to something. What happened? Right. Mince, il a disparu. Je me demande ce que mijote ce crétin de pâte. Dis donc, c'est plutôt calme comme ville. Où sont tous les habitants? Pas un bruit, qu'est-ce qui se passe ici? Agrabah. Vu le décor. En effet, Agrabah. Alors, chercher des habitants. Il y en a un juste à côté. Ah bah j'ai pas aidé le parler. J'ai pas été lui parler, j'avais la flemme, je pense. Je pense que je vais direct voir Aladdin. Enfin, je présume que c'est Aladdin. Ouais, c'est Aladdin. Hey, tu peux me dire pourquoi tout le monde se cache? Des cubes partout, des monstres agressifs. Les raisons ne manquent pas, en fait. J'ai pu m'échapper de cette caverne, mais je dois m'assurer que mon ami du palais est en sécurité, alors... Mais dis-moi, toi aussi tu es en danger dehors, non? Le danger, ça rend les choses intéressantes. Ah ah, philosophe et courageux, je vois. Ouais, si tu veux. Non, c'est pas vers le palais, non. Ouais, bon, je déteste ces ascensions comme ça. Parce qu'il y a toujours ces blocs là, danger là. Enfin, danger. Ces blocs là, que jaunes qui nous font des dégâts, c'est chiant. Tiens, il y a un bloc violet là, c'est... Il y aura peut-être une récompense si je rassemble les deux. Ah merde, loupé. On va recommencer. Chemin plus court là. Ah bah non. Ah, c'est chiant quand on n'arrive pas pile dessus quand même. Allez, on reset. On le frappe, tranquille. Ah non, mais il y a un autre machin là. Ah ouais. Il y aura peut-être une récompense. Dis, tu aurais une minute? J'aurai peut-être besoin de ton aide. Pas de problème, que veux-tu faire? J'essaie de retrouver une amie. Elle s'appelle Yasmine. C'est peut-être plus qu'une amie d'ailleurs. Moi, je suis très inquiet car elle a disparu, alors que j'avais quelque chose à lui remettre. Moi, je vais m'occuper du palais. Et toi, tu pourrais... fouiller la ville, d'accord. D'ailleurs, moi aussi, je cherche quelqu'un. Génial, tu me sauves la vie. Ah oui, je m'appelle Aladdin. Et moi, Sora.
Je t'avertirai si je retrouve Yasmine. Trouver Yasmine. Bon, on va retrouver Yasmine, hein, comme ils ont dit. Enfin, d'abord la récompense. Qu'est-ce que c'est? Aimant. Ouais, je sais pas si je vais mettre. Ether plus, ouais. J'hésite. Bon, on verra ça après. Ouais, bon. Ça va encore choper ça. Ah, j'ai vu l'autre bloc récompense, mais. D'abord, essayer de buter ses ennemis. Ouf, alors là, ils sont assez puissants. Je crois que je vais me casser en fait. Ouais, non. Je pense pas que je vais y arriver, mais. Bon, je me casse. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Vu que je suis en offline. Je ne commande pas vraiment les actions de Sora. Je refuse d'être ta marionnette. Hein, ça vient de là-bas. Oui, là, ce sera un combat contre quelqu'un que je vous laisserai découvrir. Je pense que ceux qui connaissent un peu soit la série Aladdin, soit qui ont joué aux autres Kingdom Hearts, vous connaîtrez certainement qui on va affronter dans pas longtemps. Hein. Même si ce ne sera pas la fin du monde pour autant. Puis pour les autres, ce sera une surprise. Bref, voilà. Ruelle. Je te conseille fortement de changer de ton et d'attitude aussi. Ce serait tellement triste de te voir souffrir maintenant. Je ne changerai pas d'avis, Jafar. Je préfère encore m'exiler que de t'épouser. C'est aussi une option envisageable. Laisse-la tranquille. Qui es-tu? Je m'appelle Sora. Excuse-moi, mais tu ne serais pas Yasmine par hasard? Aladdin m'a demandé de te retrouver. Aladdin, ça vaut rien à faire appel à du renfort. Je pensais en avoir terminé avec lui, mais pour l'instant, c'est toi qui vas connaître le terrible sort. Ceux qui osent se dresser contre moi. Yasmine, éloigne-toi. Je vais nous débarrasser de cet épouvantail. L'insulte. Allez, petit combat contre Jafar, pour ceux qui ne savaient pas. Hein. Bon, c'est pas bien dur. Hein. Faut juste un peu le comboter, pas qu'il ait temps d'attaquer. Bien anticiper où il apparaît. Faut jamais le laisser le temps d'attaquer. Lui laisser le temps d'attaquer. Voilà, c'était juste. Hein. Voilà. Si on a un bon timing, il n'est pas très dur. Hein. Mais si on chope toujours ces boules de feu, ça va pas le faire. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je me suis pas fait toucher une seule fois, mais. Je suis sûr que je vais me faire toucher au moins une fois. Là, je crois que j'aurai pas le temps. Ah non. Cool. Allez, je crois que je suis à la moitié de sa vie, non? Même plus. Oh, je vais bientôt mourir. Ah. Dommage, je me suis fait toucher. J'aurais pu faire un perfect quand même. Allez. Il est bientôt mort. Je pense encore 2-3 combos, puis il est mort. Un ou deux, je pense. Allez. Voilà. Ah non. Non, non, juste pas. Juste pas. Encore un coup, n'importe quel coup, et il est mort. Voilà. Voilà. Enfin. Tu fais moins le malin maintenant. Cette histoire ne fait que commencer. Merci pour tout. Il est franchement bizarre ce type. Qu'est-ce qu'il te voulait exactement? C'est une longue histoire. Malédiction. Juste quand tout se déroule selon mes plans. Les rats d'Agrabah deviennent de plus en plus insolents. T'as des problèmes de rongeurs? J'ai la solution pour toi, vieux. Comment oses-tu me parler sur ce ton, vil? Oh, la lampe! Est-ce vraiment elle, la lampe magique? Celle qui exauce les vœux? Presque, j'ai utilisé les bugs de ce monde pour en faire un fax. Non, un FAO aussi mieux. Une copie, quoi! Cesse tes explications ineptes et donne-moi cette lampe. Je le sens, cette lampe possède une force magique. Allons, doucement. Enfin bon, si ça peut plonger ce monde dans les ténèbres, hein. Ah 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 ah.
tous mes désirs vont enfin se réaliser. Écoute-moi, ô esprit, écoute le grand Jaffa. Mon premier souhait est d'obtenir une puissance capable d'écraser tous mes opposants. Oui, oh oui. Rêve toujours. Ouah, tu es une princesse alors? Ce Jafar est vraiment terrible. Exactement, mais il est aussi le grand viseur de la cité. Je pense que ça lui donne le droit de tout manipuler. Au palais, personne n'a voulu m'écouter. Jafar est respecté ou craint de tous, ce qui est pareil. Et avec tous les blocs qui ont envahi la cité, exactement, c'était vraiment le chaos en ville. Jafar en a profité pour passer à l'action et tenter de me capturer. Tu as parlé de tout ça à Aladdin? Ah, j'aimerais tellement, mais d'ailleurs, comment connais-tu Aladdin? Je l'ai rencontré devant le palais. Il a dit s'être échappé d'une caverne. Il a réussi à revenir à Agrabah. Quel soulagement. D'ailleurs, il a quelque chose à te remettre. Essayons de le retrouver. Il nous en dira plus sur son plan. Excellente idée, je te suis. Alors Aladdin, il est à l'entrée de la ville. Même si au début j'ai cru qu'il était vers le palais, mais il s'est déplacé. Non mais franchement, alors ces ennemis là ils sont vraiment dangereux. Vraiment dangereux. Ils font juste une attaque à coup d'épée, on est déjà mort. Enfin on est... Là je suis pas mort mais... Voilà, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas Aladdin. Et je me dirige vers l'entrée d'Agrabah. Ah bah il est là. J'ai toujours pas discuté avec le vizir, mais je m'en fous un peu. Jasmine, tout va bien? Moi, oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'Agrabah. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. Dans le désert où Jafar m'avait banni, je suis tombé sur un étrange objet. Avec ce qu'il contient, nous pourrons nous débarrasser de cet horrible vizir. Tu vas encore parler trop vite pour rien. Jafar! Ah, lâche-moi! Jasmine! Ah, je contrôle déjà Agrabah. Avec la princesse pour femme, je serai enfin... j'ai pas eu le temps de dire. C'était ça son plan. Je suis désolé pour vous, mais désormais, nul être vivant ne pourra me battre. La lampe m'a donné une puissance hors du commun. La lampe? Mais comment as-tu... Je ne pensais pas que les préparatifs d'un mariage pouvaient être si longs. Il n'est donc pas question de vous avoir dans mes pattes pendant que j'y mets la touche finale. Wouah! Ils ont disparu. Vite Aladdin, il faut les retrouver. Aladdin? L'autre barbichu l'a congelé? C'est comme si le temps s'était arrêté pour Aladdin. Qu'est-ce que je peux faire? C'est toute la ville qui est victime du sortilège de Jafar. Mickey, t'es au courant? Quel est ton diagnostic? Eh bien, il semblerait que Jafar ait réussi à arrêter le temps dans toute la ville. Mais moi, je ne suis pas touché par son sort. Tu possèdes une Keyblade et Jafar ne l'avait pas prévu. Mais elle ne te protégerait pas éternellement. C'est vrai, faut que je file d'ici alors. Mais je peux pas laisser Aladdin et la cité comme ça. Ah, ça fait plaisir de voir que Jafar a décidé d'accélérer les choses en ralentissant le temps. En plus, il a pensé à me changer en statut de sel. À pas me changer en statut de sel. C'est moi le chef maintenant. Non, mais je rêve, il était là aussi ce clown. Clown. Tiens, qu'est-ce qu'il a dans la main? Bizarre, la forme est différente. Mais on dirait la lampe magique de Jafar. Reviens là! C'est plutôt à toi de venir me chercher. Adios! Jafar ne m'a pas dit si cette lampe exauce les vœux, mais je suis bien assez malin pour le vérifier moi-même. De pire en pire. Sora, tu dois vite reprendre cette lampe! Elle contient un précieux allié. Dans cette lampe? Un allié de quelle taille exactement? Enfin, si tu le dis. N'oublie pas, le temps est compté. Tu dois rapidement reprendre la lampe magique. Je m'en occupe. Ouais, mais on a le temps, c'est chronométré, ça c'est vraiment chiant. Hein. Parcourir la cité pour retrouver Yago et la lampe avant qu'il ne soit trop tard. Éliminer bug et adversaire pour trouver des primes qui font gagner des précieux... bonus. Oui, donc quand on casse des blocs ou bien quand on combat des ennemis, bah, on gagne des primes et puis des bonus temps. Bon là c'est un peu très parce qu'il peut pas bouger mais... J'en profite un peu. Ça fait de l'XP en plus. Même si j'aurais pu encore plus profiter. Mais... Allez. Yago il est là. Le voilà. Rends-moi la lampe, poison de malheur.
qui attend à la voir, c'est qu'elle a de la valeur. Maintenant, je sais qu'elle est magique. Merci, petit. Tiens, qu'est-ce que fabrique encore Yago? Mais si c'est affreux gamin, mon sortilège n'a pas eu d'effet sur lui. Peu importe. Avec mon nouveau pouvoir, je sais beaucoup mieux gérer mon temps et effectuer quatre choses à la fois. Espèce de fille. Enfin bref. Moi je le traite de fille. Ton heure est venue, Radégou. Mais qu'est-ce que c'est encore? Attention! Si les fantômes de Jafar te touchent, ils te voleront de précieuses secondes. Reste éloigné d'eux. Compris, merci du conseil. Donc ces fantômes, s'ils me touchent, ça fait perdre du temps. Alors je sais que dans cette vidéo, je me suis chopé, mais indéfiniment ce fantôme, parce que je savais pas comment sortir d'ici déjà. Par exemple ici, je savais pas qu'il fallait prendre la petite caisse qui est à côté à droite, si vous voulez. Enfin le tas de caisses, si vous voyez bien. Sauf que j'ai pas encore compris qu'il fallait passer par là-bas. J'ai pas encore vu. Je suis en train de pas, franchement de perdre du temps pour rien là. J'étais peut-être à 2 minutes 50, je suis qu'à 2 minutes maintenant, quasi. C'est chiant. En plus ici se marque comme une tapette là. Voilà, j'en fais remarquer la caisse. Et on peut enfin se casser. Mais c'est pas fini pour... je me suis chopé l'entrée. C'est pas fini pour autant parce que je vais pas arrêter de me choper ce fantôme de malheur. À la fin je vais réussir de justesse, vous allez voir. Bon, je sais que Yago il est pas par là, mais... Quand je faisais la vidéo, je savais pas. Hein. Allez, le fantôme au moment il peut pas monter jusqu'à là, mais... Mais même... Ouais, je pense qu'il est là, ouais, il est là. Le voilà! Par contre, il va se déplacer, donc je crois que je serai pas assez rapide, puis que finalement je vais l'attraper en bas. T'as encore ce fantôme de malheur là. Ah purée. Ah il s'est déplacé. Il est là-bas maintenant. Non mais ce... Je déteste franchement les timers dans le jeu. Je déteste les timers. Quoi que ce soit, je déteste les timers. C'est mauvaise expérience, je sais pas. Il est là-bas maintenant. Enfin, c'est justement là que je voulais dire. Il est descendu, donc c'était facile à l'attraper. Enfin, à l'attraper. Puis voilà, ça descend vite, hein. Cette lampe ne t'appartient pas. Parce qu'elle est à toi, peut-être. Attrape-moi si tu peux. Allez. Il est revenu au point de départ, mais... Toujours Aladdin, là. Putain, mais il en a pas marre de faire chier comme ça, ce fantôme. Bon, là, je fouille un peu. Mais en fait, il était tout simplement au point de départ. Enfin, au point de départ où on l'a vu la première fois, quoi. Mais là, je me rapproche pas, je vais faire des bonus temps, c'est toujours utile. Bon, qu'est-ce que je voulais faire encore? Enfin, qu'est-ce que je voulais faire? Non, là, on peut pas partir, hein, c'est logique. Non, mais ce fantôme, il me reste que 17 secondes. Alors là, je suis stressé à mort. 16, 15 secondes, 14. Et j'aurais pas trouvé que c'était là, je serais mort. 9, 8, le voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou... À 47 secondes, centième, hein, franchement. Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'aurais craché, je ne recommencerai plus. Enfin, voici cette fameuse lampe. J'ai du mal à comprendre Aladdin. En quoi cette lampe peut-elle sauver Yasmine et Agrabah? En plus, elle est poussiéreuse. Mais en frottant un peu, ça... Waouh! Ça part. Oh, mais Al, qu'est-ce qui t'arrive? T'as rajeuni ou quoi? Attends, mais t'es pas Aladdin, toi? Non. Aladdin est paralysé à cause d'un sortilège de Jafar et... T'es qui, en fait? Je m'appelle Jenny, famille de la lampe, pour te servir. Et si tu as des soucis, tu as trouvé l'interlocuteur idéal. Moi. Il suffit d'un petit souhait pour voir s'envoler tous tes soucis intéressants comme... Intéressant comme concept, non?
Un génie qui exauce un souhait? Pas un souhait, amigo, 3! C'est le maximum légal par client. Sinon, il y aurait de l'abus. Tu vois ce que je veux dire? Je fais mon boulot dans les limites, des stocks disponibles, quoi. Tous les types de vœux, même celui que ce monde redevienne normal, un retour à la normalité pour cette cité, chaudement. Qu'en dis-tu, patron? Plus aucune ombre bizarre, et hop! Wow, merci beaucoup. Ça veut dire que le temps va reprendre pour Alana aussi? Ah ça, Pour ça, faudrait voir avec la personne qui lui a lancé le sort. Quoi? Oh non! Retour à la normale, c'était pas super détaillé comme vœu. Bon, ok, je me suis trompé. Non, non, c'est ma faute, j'aurais dû être plus précis. Merci, petit. Comme ça, j'aurais pas de souhait. À demi exaucé dans mon casier judiciaire. Super. On dirait que celui-ci était offert par la maison. En plus, je peux te filer un tuyau gratis. Je te dire où celui qui a fait ça à notre copain. Tu as localisé Jafar? Bon, on recommence. Génie, je te souhaite que tu... Bref. Attachez vos ceintures, on va décoller. En fait, il a dit, il a souhaité qu'on revienne. Le temps s'écoule, normalement. Bah, normalement, par ici. Tout à fait, le sort ne touche que la cité. Tant mieux, c'est fini la course contre la montre. Plus un geste, Jafar. Comment es-tu parvenu jusqu'ici? Oh, je vois. Grâce à la vraie lampe, bien sûr. Cette clé ridicule. Qu'as-tu fait de Jasmine? Ma future épouse se repose loin de la porte. La porte? Quelle porte? Tu aimerais le savoir, hein? Tu ne découvriras jamais, petit. Petit. Oh que si! Et tu vas me le dire où elle est? Certainement pas. Jasmine ne me semble guère m'aimer, mais je vais remédier. Alors laisse les futurs mariés tranquilles. Lampe, accorde-moi mon son dont on veut. Emprisonne-moi cette vermine, empêche-la de me suivre. Qu'est-ce qui se passe? La bouche de la caverne s'est fermée. C'est sans doute à cause des bugs. Bon, désolé si je foire vraiment beaucoup pour lire les textes, mais je suis assez fatigué. Et puis c'est assez tard quand je fais ces vidéos, en fait. Hein. Presque 1h du matin, en fait. Ouais, j'ai pas vraiment le temps avant, en fait. Bon, bah là, je pense qu'on arrive à la fin. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, même s'il était en offline. Donc, partagez cette vidéo, aimez la vidéo, et à un de ces quatre, hein. Sodanada. Comment on fait? Ah oui.